Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, bonjour, ça dépend de quel endroit que vous êtes en train de nous écouter. Ou qu'on nous a déjà, moi c'est David Sirail, qui c'est animateur à Édition Hébreu 13-8. Édition Hébreu 13-8, li là pour porter lumière sur la parole de Dieu. Côté ténèbres, lumière, côté éclaircissement, permet nous capables de voir clair. Nous toujours invitez-vous pour brancher, non seulement brancher, mais inscrivez-vous sous page là pour capable toujours suivre Édition Hébreu 13-8. Parce que, notamment, Édition Hébreu 13-8 vient à tout moment. En permanence, il y a des sujets qui réellement sont très importants. Pendant ce temps, nous allons traiter un sujet peut-être qui est capable de porter un peu de confusion. Et j'en te contente et on va l'entendre d'une autre manière, d'une autre façon. Malheureusement, heureusement, nous gagnons la Bible qui c'est conducteur nous, alors l'esprit de la parole qui s'est conducteur nous, qui a mené nous. À soyez pas oublier que pour faire service d'évangélisation, n'est-ce pas? Voyez yon vidéo, yon bah yon zami. À soyez nous va traiter un sujet qui est réellement important. Comme nous disons, sujet, est-ce que Judas sauvé ou non? Judas Iscariote. Est-ce que Judas Iscariote sauvé ou non? Bon, ce sujet, ça intéresse, n'est-ce pas? Très intéressant. Donc, nous allons visiter les pages de la Bible, les pages sacrées de la Bible pour nous garder exactement est-ce que Judas sauvé. Mais pas oublier que toute semaine, dans tout mois, il y a un message moi lancé qui c'est le salut collectif. Donc, gay, en pile auditeur, auditrice, en pile téléspectateur, téléspectatrice, qui voyait des notes, qui ont dit que yo pas comprennent très bien le salut collectif, gay, qui voyait dim, c'est exactement ça, ça prêchait. Alors, où qu'on est? Notamment, nous tous pas gagné même niveau de foi, même compréhension. Donc, c'est progressivement, notamment, n'a pas arrivé. C'est dans la persévérance de la foi qu'il n'a arrivé.
Donc, nous toutes pas gagner même compréhension au sujet de la Bible. Nous toutes pas gagner même dimension de foi au sujet de la Bible. Ça veut dire et l'apprentant, c'est même Jacques l'école, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, amis auditeurs. On prend l'école comme une métaphore. Mais là, l'école, dans l'établissement, on ne pas jouer tous les élèves dans la même classe. Il y a même programme pour tout élève. Ou après arriver, il y a tout programme neuf. Mais c'est échelle par échelle. Ou après jouer des élèves qui n'ont jardin d'enfants. Mais ils s'appellent élèves. Ce sont des élèves. Ou après jouer des élèves qui n'ont et préparatoire 1, préparatoire 2, chaque nom classe, mais ce sont des élèves. Des élèves qui n'ont moyen 2, qui n'ont 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, mais ce sont des élèves. Et des élèves qui sont dans, qui n'ont classe de rétophilo. Comme un reléo, élève. Mais yon chaque nos classes, gon seul programme établissement utilisé pour élève yon, mais yon chaque nos niveaux, yon chaque nos classes. Ou pas qu'après un programme jardin d'enfants, ou bien ou pas programme préparatoire 2 pour porter le jardin d'enfants. Ça veut dire pas de confusion. Mais de même, c'est dans la foi. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Des hommes qui ont milité pendant des années dans le Seigneur Jésus-Christ, avec des bien-aimés qui à peine vini, mais nous, dans le Seigneur, mais dimension pas même, compréhension pas même, expérience là pas même. Voyons, les élèves qui n'ont, qui ce sont des universitaires, universitaires ça y est, comment on les élèves. Voyons, mais y a chaque dans yon classe. Mais voilà, c'est ça, édition Hébreux 13. Expliquer et annoncer. Il y a des sujets traités. Il n'y a pas pour même qui peut faire des expériences avec Dieu. Voyons, c'est pendant qu'on fait des expériences et vous pas dire ah! Mon sujet est traité, notamment, heureusement, je suis tendu, mais pratiquement, je dis à me comprendre. Il y a des sujets, là, difficiles pour comprendre. Dans un jour. Donc, chers téléspectateurs, amis, auditeurs, auditrices, tous les branchés dans des stations de radio nous demandent où pour ressaisir où pour constater que il y a des sujets qui paraissent un peu difficiles, bien que il y a quelques bien-aimés qui font des commentaires. Vous comprenez ça, vous comprenez selon niveau où, selon classe ou à faire avec le Seigneur, donc ou qu'à poser des questions. C'est ça qui fait pas gagner qui ébranle les moins, leur poser des questions et leur dit des choses qui paraissent un peu banales.
Donc, sujet à sourire, est-ce que Judas Iscariote sauvé ou bien non? Écoutez, chers téléspectateurs, nous allons lire un texte juste avant que nous capables et spéculer très bien parce que nous prêcher le salut est collectif. Mais à Soya, nous statuons directement sur Judas. Allons-y, on va voir ensemble. Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Le verset 60, parce que tout verset est réellement joli. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire deux points, donc question qui a venu après deux points, cette parole est dure. Deux points, point virgule. Qui peut l'écouter? Verset 61. Sachant Jésus, sachant en lui-même, il est omniscient. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à sujet. Leur dit, cela vous scandalise-t-il? 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est clair, Jésus-Christ est notre Père éternel. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le souverain. Verset 63. Car l'esprit, c'est l'esprit, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui édifie. Deux points, point virgule. La chair ne sert à rien. La chair n'est que l'enveloppe. L'enveloppe, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y a quelques-uns, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, bien que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien, quelques-uns ne croient point, car
Jésus, le Messie, savait dès le commencement. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Père éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaissait dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Et qui était celui qui le livrait? Des deux phrases là. Il connaissait dès le commencement qui étaient ceux, plusieurs, qui ne croyaient point. Et deuxième paragraphe là, et qui était celui qui le livrait? Ces deux phrases. Qui étaient ceux qui ne croyaient point, plusieurs. Et qui est-ce qui t'a gué pour livrer? Ça ne veut pas dire pas quoi. Il seulement une mission. Ok? Pas oublier, est-ce que Judas fait partie de salut collectif? C'est question, ou bien non? Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Arrête là. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si l'Esprit Saint ne vous confirme, ne vous affirme pas, ou pas capable de venir attribuer à la parole. Faut l'Esprit confirmer et affirmer pour faire partie de la parole. Et la parole n'est autre que esprit et vie. Maintenant, dans le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Jésus, le Messie, dit aux douze. Ça veut dire Judas dans douze là. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus-Christ, le Messie, Jésus le Messie, testait froid les douze. Après, il y a un groupe parmi les disciples qui vidaient les lieux. Et pratiquement, Jésus-Christ testait froid s'il a eu qui retire. Et voilà, il est dit, et nous-mêmes,
est-ce que nous pas décider vider les lieux aussi? Simon, l'un des douze, verset 68, répond le Seigneur Jésus, le Messie, et il est dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, les pierres font déclaration. Sous votre foi, les groupes croient. Les gens font déclaration. Ces groupes-là font déclaration. Alors, l'église même, toujours rester dans la collectivité. Non. Verset 69. Et nous avons cru au passé. Et nous avons connu. Pierre rempli de l'esprit. Et il est dit, nous avons cru. Nous t'es cru et nous t'es connu. Au passé. Pierre rentré dans l'éternité. Il retournait dans l'éternité au commencement pour rendre compte. Il te connaît, elle te connaît. Nous te connaît que tu es le Christ, le Saint de Dieu. En d'autres termes, tu es l'Esprit Saint. Le Saint de Dieu signifie tu es l'Esprit Saint. C'est toi qui es Elohim. C'est toi qui es Jéhovah. C'est toi qui es Jah. C'est toi qui es YHWH. C'est où? C'est toi qui es Melchizedek. C'est toi qui es Melchizedek. C'est toi. En gros, dans une seule déclaration, donc Pierre identifiait toute la Bible. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Les douze. Ça veut dire, Jésus-Christ déclare aux douze, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il ne parle pas avec Pierre seulement. Il dit, Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ça veut dire le choix d'être sauvé vient de Dieu. Le choix d'être élu dès avant la fondation du monde vient de Dieu. Ça veut dire Judas inclus. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Oui, Seigneur, c'est vous qui nous avez choisi. La réponse. Oui, Seigneur, c'est vous
nous avait choisis, ou bien c'est toi qui nous as choisis. Et Jésus-Christ dit, l'un de vous, parmi les douze, est un démon. Et verset 71, il est dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des douze. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, ça ne veut pas dire que Judas pas fait partie du salut. De même, Jean, religieux, prêchait Judas perdu. Non. Ici, il dit, l'un de vous est un démon. Ça veut dire, l'un de vous est un diable. Ça veut dire, animé de la chair. Est-ce que la Bible, démon avec diable, pas le même? La même chose. Est-ce que la Bible pas montré côté Jésus traité Pierre, démon aussi. Oui, la Bible montrait côté Jésus traité traité Judas démon aussi. Matthieu chapitre 16 verset 21, voyons. Dès lors, Jésus, le Messie, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Excuse-moi, le plan tracé. Maintenant, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça va? Est-ce que ça veut dire que Pierre va recevoir le salut? Est-ce que ça veut dire parce que Jésus-Christ dit l'un de vous est un démon et puis lui parler de Judas Iscariote, ça veut dire que Judas n'a pas sauvé? Édition Hébreux 13:8 a répondu avec l'autorité de la parole.
Oui, Judas fait partie du salut collectif. C'était prédit dans l'Ancien Testament, c'est une prophétie qui va être accomplie dans le temps. La Bible dit dans Zacharie, chapitre 11, il est dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. C'était prédit que le Seigneur va être vendu pour 30 pièces d'argent et accompli dans le Nouveau Testament. Accompli dans le Nouveau Testament, chers téléspectateurs, Matthieu 26, 15 et Matthieu 27, 9. Accompli. Judas gagne une mission pour vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais ça n'a pas fait de Judas, il a perdu. Écoutez, vous qui nous écoutez à travers le monde, chers téléspectateurs, comparez sans t'arrêler, ça pas bon, ou même avec Judas, entre Judas et ou même. Qui est-ce qui fait Jésus-Christ plus mal? Peut-être, sous des conscience, soit dit nous tous coupables. Ou est-ce ça, édition Hébreux 13:8, et nous comprenons? Sous des consciences, sous là, pour sauver, on dit nous tous coupable devant le sacrifice de Jésus-Christ. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, je suis saint, je suis justifié, je suis purifié par son sang précieux. Voyons. Donc, chers téléspectateurs, comparez erreur part avec erreur Judas, qui est-ce qui fait plus? Zami, pasteur, évangéliste à travers le monde, s'il a eu qu'à frapper l'estomac, qui mettait tout le monde dans le même panier, puis ou bien ils mettaient tête au tigeant pyro, ils mettaient l'autre la plus bas, l'autre la perdu, ils même la sauvé. Dans Matthieu chapitre 26, la Bible dit, le prophète Esaïe, le prophète Zacharie prophétisait que ça t'apprend à arriver. Non, dans Matthieu chapitre 26, pour comparer avec Zacharie, chapitre 11, verset 13, Zacharie chapitre 26, verset 15, il est dit, verset 14, alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux
sacrificateur et dit, que vous voulez, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Je lui demandais, combien t'as remé ban moi et m'a livré au Jésus-Christ, Jésus le Messie. Prophétie a fait dans Zacharie 11:13 et les principaux sacrificateurs pral bay exactement sa prophétie a été douée. Jeté annoncé par le prophète Isaïe, Zacharie. C'est pas Judas qui dit bon 30 pièces d'argent. Mais il dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Il m'a dit, je vous demande 30 pièces d'argent, 30 cycles d'argent. Mais il dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Puisque c'était le plan de Dieu, faut que prophétie a accompli, faut que prophétie a accompli telle qu'elle est. Écoutez ça, il dit. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent, 30 cycles d'argent. Ça veut dire, la Bible, c'est la révélation de Dieu. C'est tracé par Dieu. C'est pas Judas qui mandait 30 pièces d'argent, mais c'est prophétisé par le prophète Zacharie. Matthieu chapitre 27. Pour le texte, verset 9, verset 9, alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Voyons, le prophète Jérémie, t'es des révélations, hein? Avant même l'arrivée accomplie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui avait été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. C'est une prophétie accomplie. Judas n'est que fait un job. Judas a fait son job. Judas a fait son travail. Ça n'a pas aucun rapport pour la religion à prêcher Judas, pas sauvé. Mais non! Le nano, c'est le salut collectif, nous prenons ça n'a dit. Mais par contre, ça n'a pas ma liberté
à moun ki sove pou livre tèt ou nan nèpòt kèl aksyon dezonèt. Lè ou konon sove, ou fè rispè ou. Lè ou konon sove, ou marche selon des sauvés, ou marche selon Dieu, ou marche selon la volonté de Dieu. Le salut n'est pas personnel. Le salut est collectif. Mais par contre, Géo mise en garde contre Silayo qui sauvait. Le fait qu'on sauvait, ça n'a pas empêché au président. Sida qu'a dévoré ou. Parce que vous sortez en dehors d'exhortation de la parole. Exemple, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit qu'ils ont sauvé quitté la tête dans des ordres. Écoutez qui ça, la Bible. Comme exhortation, ou même cap coûter nous à travers le monde. 1 Corinthiens chapitre 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus le Messie, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que tel homme soit livré à Satan, que tel homme soit livré à lui-même. Et tel homme soit livré dans la chair. Et tel homme soit livré au diable pour la destruction de la chair. Ils ont sauvé, oui. Et la Bible dit, afin que l'esprit la prend sida, la souffrit dans sa chair, quitte-elle prend plaisir, parce que Dieu t'a mis au pelé pour tout débauché, pour tout infidèle, pour tout infidèle, qui se sont des sauvés, oui. Ah bon? Nos pensées salut collectif et bréchia, bah, il manda pour aller voler à faire moun. Salut collectif et bréchia, bah, il manda pour aller prendre, marcher, prendre petite fille moun, se marier à qui yo. Servir avec yo comme mango, morder yo, lager yo. Morder, lager, morder, lager. Non. La Bible dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui,
ça pas empêché pour si là qui dit salut joindre salut, mais ça pas empêché pour sida, pour maladie, pour la fièvre typhoïde, pour malcadie tomber levé notre sous. Ça, c'est les âmes Dieu utilisées pour corriger spécialement les élus. Et voilà, la Bible montre clairement, 1 Corinthiens 5, verset 9, il est dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voyons, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Verset 13, pour finir. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ça y est, poko rentrer dans les affaires spirituelles de Dieu. Livrez-yo. Quittez-yo avec le Seigneur. Mais pour si là, yo, que l'édition est 13-8, annoncé, qui fait partie du salut collectif, oui. L'Église a un mandat pour livrer à Satan. C'est ça que fait. Il y a un pile qui peut marcher dans quelque assemblée qui gagne. Côté la parole fait manifester puissance li. Parce qu'il y a découvri yo. Il y a découvri yo qui s'en bas gros chapeau. Il y a découvri yo en bas gros robe blanc, gros veste blanc. Il y a découvri sa cambale. Il n'y a pas prêté dans l'assemblée ça yo. Parce que parole là, son puissance liée, la propreté. Eh bien, tout le monde qui fait partie du salut collectif, l'Église là, il y a droit sur. Soyez très vigilants. Soyez très veillatifs, chers téléspectateurs, amis auditeurs. Le salut collectif pas un mandat pour des élus faire n'importe quoi. Au contraire, la Bible nous exhorte pour ne pas avoir une relation à des débauchés, relation à des outrageux, relation à des cupides. Relation à des choses malsaines. Vous avez des oreilles pour t'en détendre. Et vous êtes réjouis, pas mandaté aucun pasteur qui élu, aucun homme de Dieu, femme de Dieu, fait n'importe quoi. À mon entendeur, salut. Passez une très bonne semaine.
en bas, même puissance parole. Pas oublier, souscrit ou dans l'édition Hébreux 13:8, qui c'est une source de la parole. Que le Seigneur vous fasse la grâce suprême, que le Seigneur vous fasse la que le Seigneur vous fasse sa miséricorde. Alléluia, qu'il soit ainsi. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur embrasse-nous, couvre-nous. Que le Seigneur permette de marcher dans la vérité absolue. Que le Seigneur permette de discerner l'évangile de la grâce. C'était votre frère David Sirai. À bientôt. Alléluia. Merci Seigneur.